bien, mon histoire, donc, elle commence quand je suis rentré à EDF en 1971, puisque je suis rentré le 15 décembre 1971 dans un petit district, une petite boîte où on était une douzaine, et le 1er janvier 1972, je prenais ma carte à la CGT. J'ai toujours été attaché au service public, parce que le mot d'ordre de nos anciens, c'était quand on devait sortir de quelque part, donc d'une maison, quand on devait sortir d'un village, les gens devaient avoir du courant, les gens devaient avoir du gaz. Maintenant, la politique de la maison, c'est de dire quand on rentre chez quelqu'un, il faut qu'on ressorte avec de l'argent. C'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Donc mon engagement a été syndical, puis ben, en mémoire de Marcel Paul, la continuité s'est faite. En 80, donc j'ai adhéré au Parti communiste. Parce que là, j'ai dit, effectivement, il faut se battre syndicalement pour les acquis sociaux, mais il faut se battre aussi politiquement, parce qu'il faut des lois pour les mettre en œuvre, pour les mettre en musique. Et s'il n'y a pas les deux luttes menées conjointement, on n'y arrive pas. On se rend compte aujourd'hui qu'on a un animal qui marche, mais sur deux pattes au lieu de quatre. Parce que, ou au niveau de la lutte syndicale, c'est les problèmes qu'on rencontre avec les réformistes notamment. Au niveau politique, c'est pareil, on cherche à faire crever le Parti communiste. Or, on a besoin de quelque chose de fort à gauche, et c'est nous qui l'incarnons, c'est nous qui maintenant la gauche debout, comme l'a si bien dit Pierre Laurent. Ah oui, la première des choses, j'espère qu'on va sortir rassemblés, et que tous les communistes de France vont effectivement se mettre en marche pour pouvoir effectivement porter notre parole, pour pouvoir mobiliser à gauche de manière à construire cette alternative dont le peuple français a besoin. Historiquement, à chaque fois que le Parti communiste a été fort dans notre pays, il y a eu des acquis sociaux, des conquis sociaux, comme le disait Ambroise. Et aujourd'hui, il faut qu'on reparte sur cette base-là. Il faut qu'on puisse rassembler, et il faut déjà nous rassembler, nous, si on veut rassembler le peuple de France autour de nous.